about Father Eve. Father Eve is a very kind priest. He has really helped the Fort Pierce Haitian community and the church, especially with the youth group. He's our number one supporter when it comes to our youth group Morningstar. Everything that he can do to improve the community, he has done. And he has done a lot of great things. Like he's just an uplifter to the community. He's brought a lot of good deeds. So he's really a genuine, sincere, hardworking priest. Good-hearted. Fè aksyon mwen yo, se pou bon Diyo Benin. Nou gen nou kontan pil jodi an, nou bon viziteur trez enteresan, trez importan, ki jò rele ou akor, se per, Yves Jeffra. Bienvenu a Brooklyn. Merci beaucoup, Monseigneur. Et kote wap travay, Père Yves Jeffra? Eh bien, ma travail dans le diocèse Palm Beach, qui est dans Floride. Et spécialement, moi, c'est coordonnateur apostolat haïtien pour le diocèse là. Et puis, moi, censé curé paroisse Notre-Dame catholique mission dans Fort Pierce. Moi, j'ai près de 7 ans depuis moi, dans la communauté Fort Pierce. Ah, magnifique. Mais on prête depuis plus longtemps, bah, c'est ça. Oui, moi, prête depuis. Je suis capable de dire 2001, ça veut dire que j'ai 14 ans depuis mon retour de prêtre. Oui, fait histoire pour Dieu 16 là, c'est moi qui suis le premier père noir, premier haïtien qui a ordonné pour Dieu 16 en 2001. C'est bien. Mais où c'est le monde qui est bon en Haïti? Moi, je suis sorti dans le nord, c'est limonade. Moi, je suis sorti limonade. Ah, c'est mon limonade. Oui, moi, c'est mon limonade. Et que moi, je suis capable de dire, moi, aux États-Unis depuis 1995. Ça fait bien 20 ans depuis moi aux États-Unis. Et vous faites études pour venir prêtre là en Floride même? Moi, je fais partie dans l'étude moi, yo, et en Haïti. Capable de me faire presque toute étude théologique et philosophie en Haïti. Et puis, moi, je viens faire maîtrise et dans le séminaire Notre-Dame, dans la Nouvelle-Orléans. Et que c'est après étude ça. Moi, j'ai été ordonné prêtre. D'abord, moi, j'ai été ordonné en Haïti. Moi, j'ai été ordonné ici. Moi, j'ai fait étude ni en Haïti, ni ici. Ni aux États-Unis. Donc, nous sommes un monde qui a fonctionné dans deux domaines différents, avec des populations diverses. C'est ça. Et c'est ça que fait dans la communauté bien la même. Donc, il y a des communautés différentes. Donc, il y a une communauté américaine, une communauté haïtienne et puis une communauté parole. Ça fait moins bien. Possibilité pour moi faire la messe dans trois langues. Il y a deux fois dans mon dimanche, moi pour faire la messe dans trois langues, anglais, espagnol et puis créole. Donc vous voulez dire que ou hablas espagnol? Si, hablas espagnol. Oui, latin et fréquent, on parle toute langue. Obligé, hein? Puisque nous avons culture, nous vivons aujourd'hui. Absolument. Et surtout avec avancement, communauté parole aux États-Unis. Obligé quand même parler l'anglais pour aider. Absolument. La communauté ça qui a grandi en pile aux États-Unis. Est-ce que la communauté haïtienne est majoritaire en paroisse? Hein? Non, c'est américain qui est majoritaire. La communauté haïtienne n'est pas majoritaire. Parce que nous capables de dire, ils sont capables de représenter 30% de la communauté. Mais ils ont fonctionné bien, ils ont marché l'église bien. Et nous sommes capables de dire oui, ils ont vu l'église, si là, ils sont déjà habitués à l'église, ils ont toujours venu l'église. Et normalement, quand il y a une période, surtout les non-vacances, les non-mois juin jusqu'à septembre, il y a qui prend le travail de l'autre côté, qui fait les communes, le monde vient à l'église, dans la période. Ça. Mais ça... comme le Daïsien, qui. Là, il y a toujours qu'embé, vienne la messe, vienne la prière. Est-ce qu'il y a travail qui forme un yo là, il y a travail? Non, communauté haïtienne, non, c'est pas eux, tout cap travail. Surtout pendant les dernières 6 années, ça y a eu avec crise économique aux États-Unis, et en pile, non, haïtien yo pas travail. Bien, non, yo, c'est peut-être on l'a pensé, il y a eu quelques heures de temps pour y aller faire un petit travail, soit dans le jardin ou bien dans le bagage santé, dans le CNE ou bien dans. Capable de dire dans l'hôpital, il y a quelques petits travaux jeunes, mais c'est pas bien. Mais quand même, une portion de la population qui est assez bien
adaptée et qui est assez prospère tout. C'est normal puisque il y a un yo qui joue une possibilité qui gagne un full time travail et puis il y a gagne un capacité un métier tout pour y vivre même si on pas habile mais on joue ça dans la communauté haïtienne. Les jeunesse qui gère la paraît est-ce que nous avons un problème de criminalité dans la jeunesse? Eh bien non, surtout dans Fort Pierce gagne ça où il y a la délinquance juvénile, c'est très très courant dans zone ça. Et c'est une raison que fait les moins venir Fort Pierce, moi ouais tellement gain problème avec jeunes yo, moi t'ai venir concentrer ministère apostolat moi dans ouais comment nous ca sauver jeunes. Et c'est une bagaille depuis 2010 moi venir avec quelques programmes et un programme moi t'ai campé, c'est sommaire et camp d'été. Quand d'été côté nous gain à peu près 70 jeunes qui qu'on venir nos bas formation pour non seulement nous-mêmes nous faire formation, parler de bon Dieu, nous faire coupe pour eux, mais nous prenons l'autre expert, nous prenons police, shérif, nous venons parler, éduquer les gens, nous faire comment pour eux comporter, ni les l'école, ni les dans la société. Nous gagnons un pilote activité nous faire avec eux, nous montrer comment pour eux vivre avec culture, même comme haïtien, les papas ici. Comment pour yo comporter yo avec parents yo et puis tout nous fait un pile sortie avec jeunes yo et nous aller Orlando dans parc attraction ça yo côté parents pas ta gain moyen pour voir ti moun nan mais nous même nous joindre occasion pour nous aider yo faire visiter plusieurs autres zones nous dans Rapid Rock vers West Palm Beach. Nous dans plusieurs autres parcs n'a visité avec yo dans safari park côté animaux sauvages côté ti moun yo gen chance pour y a loué et l'autre et pagaille que parfois si yo te chita la caillou yo pa tab joine qui donc c'est ça que fait me devine avec quand été pour nous sport nous gen activité de sport c'est dans la cour l'église là parfois nous gen surtout basketball yo kon joué et puis swimming tout quelques yo nous a montré yo nager nous fait toute activité ça yo pour aider jeune yo puis pas arrêter dans la rue dans faire délinquance dans faire crime c'est ça c'est fait moi était focus en pire sur jeune yo donc pendant moi était non donc pas un fort pourcentage de haïtiens qui la délinquance générale on va jouer quelques graines quand même mais ne pas cap dire que communauté haïtienne productrice de criminels non pas tellement mais quand même nous jouer quelques haïtiens quelques éléments qui entrent dans gang qui dans activité ça oui c'est ça. Alors là, c'est l'éducation et puis l'importance de la famille. C'est pour que le papa et maman ensemble, c'est ça va un bon encadrement. Le papa pas là, maman, pour qu'on colle. Si vous n'avez plus tendance, gars. C'est ça. L'importance de la famille. Il faut bâtir la famille tout partout dans la communauté haïtienne. Autrement, nous l'entête chargée. C'est bien ça puisque la famille yo en pile fois c'est monoparental, c'est maman seulement qui n'a pas là avec timoun yo, papa yo qu'on parfois démissionné et c'est une bagaille nous voit comment et dans communauté propice là nous a essayer relé parents papa maman pour nous faire mettre tête ensemble pour éduquer timoun yo c'est l'entendre c'est papa seulement mais maman seulement qui n'a la timoun yo gen plus tendance à faire délinquance. C'est ça. Et donc nous focus en pile sur ba famille là et timoun yo tout là au vin dans camp d'été à nous encourager yo. Vous pouvez inviter parents au vin l'église, vin dans activité y a fait parce que là au vin dans camp d'été à nous faire activité culturelle avec yo côté là ça il y a montré talent au gagner dans faire une série de sketch dans danser dans chanter et puis pareil qu'on venait et ça qu'on encourage eux même pour être capable de rentrer dans la vie t'imoune. Est-ce que Timon est obligé de payer pour y participer la prendre pour y participer dans tout programme ça yo? C'est seulement inscription nous charge Timon yo à part de ça yo vini gratis. Moi faire quelques démarches bon côté l'autre paroisse sœur qui dans zone là, moi mandé yo concours, moi écrit yo pour me dire
mais en pile jeune moi gain dans communauté a moi vle aider yo qui genre même le cabane on coûte main pour me payer et 7 semaines de camp de terre ça, parce que c'est une dépense qui est en pile là qui est en pile considérable c'est une dépense ça l'église là pour féliciter autour pour initiative ça yo. Quand on est dans West Palm Beach, qui a à peu près 13 prêtres haïtiens, pas vrai? Oui, oui, il y a 13 prêtres haïtiens. Est-ce que vous avez toutes les paroisses, nous, parfois, nous travaillons ensemble, ou bien chaque paroisse un petit peu peut-être distance, nous avons tendance à obliger à développer des programmes isolés? Bon, et jusqu'à présent, nous sommes capables de dire nos pays forts, il y a quelques programmes nous faisons ensemble. Nous avons bâti un pastoral d'ensemble pour toute la communauté haïtienne. Yo. Qui est dans le diocèse de Palm Beach. Là. Et c'est normal, on a toujours quelques communautés qui fait chemin pour compter, mais nous gagnons un plan, et spécialement pour plan formation, éducation laïque. Moi, bien déterminé dans ce sens, ça fait qu'on y a, nous faisons l'école pastorale, côté toute paroisse, vous voyez, laïque vient apprendre dans l'école ça. Nous avons à peu près une centaine de monde qui viennent pour une formation chaque lundi. Côté non à Christian Center qui est dans West Palm Beach, nous faisons de 7h à 9h30 chaque lundi. Et puis c'est Payo qui est dans la communauté haïtienne qui a travaillé tout passionnant dans la communauté haïtienne, mais c'est Père haïtien qui est dans la diocèse là qui enseigne cours à yo côté nous gagnons cours Bible, nous gagnons cours théologie, nous parlons de sacrement yo, nous parlons tout de droit canon, nous censé parler de histoire de l'église là, nous vraiment appeler des moun yo pour yo former puisque sans formation ça ou pas qu'on la foi yo et en pile là yo qui a tendance à quitter l'église là pour aller dans protestant et c'est un travail nous ça s'est fait ensemble avec toute notre communauté parce que l'ignorance de la Bible c'est l'ignorance du Christ. C'est ça et ça fait nous voulons bâiller mon yo formation pour réformation parce que l'église c'est toute laïque yo pour être que dans service laïque yo mais l'Église, c'est la communauté, c'est développer un vie spirituel très profond. C'est ça. Et quand il y a vraiment qui est intéressé, il y a une bagaille, je vais l'annoncer, c'était Madame La Tortue. Seulement jeunes qui venaient, mais grands monde tout intéressé à faire une formation. Et Madame La Tortue qui mourit à 85 ans, c'est un des premiers étudiants de. Partout, vous qui cherchez le vrai repos, ne craignez pas pour votre. Qui était en jeune certificat parce qu'après chaque session, nous baillons mon Dieu un certificat. Là, au fin de prendre session sur la Bible, il y a un certificat qui a été pour session sur la Bible. Là, au fin de prendre session sur la liturgie, il y a un certificat qui dit pour session sur la liturgie. Ok, parfois, mon Seigneur a signé, mon signé, etc. Qui donc, c'est un bagage, ça a été bien apprécié, même de Madame La Tortue, à l'âge de 84 ans, termine l'école, prend formation. Et avant de mourir là, l'autre jour, moi, mentionné des saletés, il y a un certificat. L'idée pour une session sur la liturgie. Vous qui tombez sur le chemin, le cœur blessé par les chagrins, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort, levez les yeux vers le Seigneur. Merci. Qui voulait apprendre qu'on est la foi le château d'avantage. Moi, je crois que le bureau national, là, d'ailleurs, c'est membre, le board bureau national, là, apprécie un peu le travail qu'on a fait, mais on serviteur bon Dieu, on monde qui recevra l'ordination sacerdotale et qui mettait la vie, le service communauté pour lever communauté. Hein, ben, comme on connaît, Père Zéphra, centre national, là, à travers Radio Télé Solidarité, lancer une compétition précisément pour nous présenter jeunes noyo by moun cap suivre radio télé solidarité. Donc premièrement on a demandé des moun entre 16 ans et 24 ans écrire un texte ou bien en anglais ou bien en français pour dire qui j'aille comprendre la vie.
Et deuxièmement, nous avons eu une série de questions. Et par Skype, si vous étiez loin, nous avons eu des interviews sur télévision. Nous avons posé quelques questions pour nous les gens y répondre, contenu caractère. Et à la fin de la compétition, ça, nous avons eu des prix pour trois gagnants. Et certainement, nous allons féliciter tout le monde qui a participé. Et nous comptons que Youn, la MAM et le groupe Jeunessois a participé tout. Qui j'aurais l'air encore? C'est très bien, c'est Tamara Alcido. Qui l'a joué? Lui, il a 23 ans. Lui même, c'est un jeune qui est très dévoué dans la communauté. Il est censé être coordinateur pour tout le monde qui a dansé. Il est censé, c'est un monde qui a un pile talent pour chanter, pour danser tout. Li mette talent ça dans le service de l'église là. Et c'est ça que je voulais étudier social political science. Va finir pour devenir avocat. C'est pour défendre le droit de l'homme. Père Yves, son bon père Liel, il travaille dans la communauté haïtienne. Depuis fini, quand il y a le changement dans l'église là, youth. Nous gagnons, nous pas gagnons déjà. So là, venir, nous commençons toute activité avec Timounio dans l'église là pour sommeil. C'est lui-même qui aide nous avec sommeil camp. Parce que ici au Bagay, il gagne à cœur défendre droit l'autre. Défendre ça, il y a méprisé dans la société. Hein? C'est ça. Il t'a appelé pour tourner un avocat pour défendre mon ça. C'est moi qui ai dit Junio qui pral participer dans la compétition noire. Et si nous-mêmes, Cap Coutinho, nous connaissons des mounes entre 16 et 24 ans qui sont intéressants, qui ont exprimé la tête bien, qui ont des idées claires, et puis qui ont beaucoup du feu, là, qui ont aidé le service, et faire participer à la compétition, ça, qui peut mettre devant les yeux publics, nous, en très grand nombre, peut-être 30 ou 40 jeunes haïtiens. Qui a que nous mettre fiers de yo. Participer à la concours ça, qui pourra commencer déjà le mois de novembre, et nous arriver à terminer vers la fin du mois de décembre. C'est ça que fait moi profiter l'occasion ça tout pour t'inviter l'autre prêtre pour encourager les jeunes à participer dans le contexte ça, puisque ça a révélé tout, si mon an, les gens ont rêve, les gens ont. Bagay li ta vle mete fè yon diferans nan sosyete ya, la pral eksprime sa a travers kontes la, e kon sa, demen, sa al di la, ou li kapab vin mete yon aplikasyon. Nou souwete lot prèt kap travay a travers apostola isyen aux Etats-Unis, nou kapab ankouraje yon kadre jen yo pou yo partisipe nan kontes sa ke ofis apostola nasyonal la ap organize. Se pou bon Dieu béni souhait ça qu'on fait. Merci, Monseigneur. Hier, nous comptons en pile, et moi, certain que le monde qui a écouté tout apprécie en pile l'effort qu'on fait pour avancer le royaume de Dieu en West Palm Beach et puis dans toutes les États-Unis. J'espère que on va participer à la programme de tout, même par Skype, qu'il y a des fois on a interviewé, ou que même tout qu'on a fait des enseignements sur antenne radio-télé Solidarité. C'est pour mon Dieu béni, continuez bon travail. Eh bien, merci, Monseigneur. Et moi, toujours là, disposé. Que nous, avec eux, parce que là, Christ nous tout fait, nous sommes seuls. C'est ça, parce que missionnons, surtout avec nouvelle évangélisation, avec Pape François Noé qui vient dévoué pour faire nous à rencontrer l'autre, pour nous bailler évangélisation de proximité, pour nous arrêter la caille, à le chercher. C'est un bagage, moi-même, à PC, surtout dans la diocèse Palm Beach, dans mettre toute formation, dans le mouvement charismatique, en cadre mondial, dans la question de la prière, moi, là avec vous, pour chercher bon Dieu, puisque sans bon Dieu, nous ne pouvons rien. C'est ça. Et nous sommes certains que bon Dieu pourra le bénir. Au nom de Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, que bon Dieu parle vraiment, fait l'arroser bénédiction, tomber sur tout jardin évangélisation, côté au travail. C'est pour bon Dieu bénir. Merci, Monseigneur.
brûlé, confiez-moi un travail. Pour ne pas faiblir, donne-moi un esprit Seigneur. Mon Dieu, complète-moi, brûlé. Thank you.